Coucou tout le monde, salut le mag. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que des accusations très graves ont été portées sur mon mari. J'ai tout mis sur papier parce que c'est un peu difficile pour moi de supporter tout ça. Voilà, aujourd'hui, on accuse mon mari d'être un violeur et d'avoir séquestré une jeune femme. Cette histoire est totalement fausse. Je ne sais pas qui s'amuse à divulguer des choses aussi graves. Mon mari est bien en détention provisoire. Maintenant, c'est une autre affaire. On travaille avec nos avocats pour pouvoir le sortir de là. Je ne m'attarde pas sur ce sujet. Je suis pas ici pour raconter ce qui m'arrive. Je fais cette vidéo surtout parce que je trouve anormal que certaines personnes se permettent de gagner de l'argent sur le compte des gens en racontant des mensonges. Et je tiens aussi à dire que tous ces articles qui sont sortis ont atteint ma santé. Je confirme aujourd'hui que je suis bien enceinte d'une petite fille. Je viens de terminer mon 4e mois et contrairement à tout ce qui se dit, je compte bien le garder. C'est un enfant voulu qu'on voulait à deux. Mon passé de télé-réalité est derrière moi. On est critiqué, on est suivi. C'est pas un problème. J'accepte tout ça, mais ce que j'accepte pas, c'est qu'on touche à ma famille et surtout pour raconter des choses qui sont très fortes et très dangereuses. Donc voilà, je tiens à vous dire que tout ça, c'est difficile pour moi. Je sors d'une hospitalisation de nuit parce que tout cela a dégénéré des contractions prématurées. Et je demande aux gens d'arrêter de parler de ce qu'ils ne savent pas. Et je demande aux gens qui me soutiennent de continuer à le faire. Je connais mon mari, je sais ce qu'il vaut. Je vis tout le temps avec lui. Et aujourd'hui, je tiens à lui faire passer un message. J'aimerais lui dire que je l'aime, que c'est l'homme de ma vie et que moi et sa fille on l'attend, que sa famille et ma famille sont derrière lui et que on sait que c'est un homme et qu'il tient le coup. Voilà. Donc voilà cette petite vidéo pour me justifier et pour arrêter tous ces mensonges. Bisous le mag.